friendly, Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay. And here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, that's a huge fucking win. Woo! Monstrous. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? Fucking punk. All right. Bitch, you split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you home. All right. Fuck. Seatbelt. Serious. Oi, 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 j'ai eu combien? Franklin. Ah, ça va, on a quand même des bonnes parts là. Là, ça fait plaisir les bonnes parts. Ah, il est quand même riche là. Hein. Enfin, je pourrais m'acheter une villa. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le truc. Mais comment ça se fait que j'ai perdu 2 millions d'euros? C'est fou de moi. J'ai failli d'avoir l'or en fait. Puits de plomb. Ah, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on poursuit. Je vais me rendre avec le gros T là. Donc Trevor il habite là. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here away from the man, from what I can tell. You're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, oh. Baby! Yeah! Oh, this better be fucking good! Oh. Jesus! Ah! Oh, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Be under Raton Canyon Bridge in a boat. We'll stay in touch on the headsets. Ah, j'étais sûr que moi, fallait que je prenne la moto et lui la voiture. Où est-ce que je dois passer le truc bleu? Et comme par hasard, maintenant, il n'y a que des motos sur la carte. Tu les trouves jamais ces motos-là, mais là, tu les trouves. For air travel trade. Gold. Sometimes gold, sometimes artwork,
priceless antiquities. C'est pas vrai, tu viens d'écraser Trevor, le clochard. Le clochard est mort, les gars. Une minute de silence. Non, il a failli mourir, c'est pas vrai. Bon, ça va, je suis pas loin du tout. Donc ça va, franchement, le cas, c'est bien passé, hein, mine de rien. Je pensais qu'en fait, je pouvais pas perdre, mais que j'allais en fait me faire avoir. La première fois, la bijouterie, j'ai rien compris. J'ai mis les mecs les plus hauts pourcents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'argent après de revenus. C'est pour ça, maintenant, j'ai changé ma stratégie. J'ai pris le plus faible, tant pis. Et ça m'a rapporté beaucoup plus d'argent. C'est con, il son chouchou, lui. Okay, I'll pick him up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah. Oh, l'idiot, je viens de me louper. Wow, getting changed. What have you turned into? I've got a ticket. Hold up. Chouchou. C'est loupé. C'est pas vrai. Comment on peut se louper comme un vrai con comme ça? Waouh, wow, je sais pas si vous avez vu là en bas là, mais c'était pratiquement critique, hein. Et là on fait quoi là? Je suis bloqué. Oh, c'était chaud quand même, hein. Quoi? En plus il doit rouler dessus, mais tu te fous de moi, en plus c'est super sensible. Ah, je vais encore me cracher la gueule. C'est pas vrai, c'est trop sensible. Aïe. Ne dis pas que je dois remonter tout le train. Mais rien, moi, cette cargaison, comme elle est grande. Oh non, mais blague, là. C'est super pas stable comme truc. Moto, c'est pas stable sur les trains. Et bah, oui, c'était sûr et certain. Oh, vu comment ça tremblait, hein, je vous dis pas. Hein. Ouais. Et non, mais en fait, franchement, GTA, il y a un truc qui est bien, c'est qu'ils se foutent vraiment, vraiment ta gueule dans les missions, parfois. Ils te font des missions, tu te dis, non, comment c'est possible, chouchou. Attends, je vais un petit peu, bah, tu sais quoi, je vais un peu désaccélérer. Oh. Ça recommence, ça recommence. Eh bah oui, normal, hein. Purée. Eh, mais c'est trop. Et en fait, ce qui est bien, c'est à chaque boss, vous en rendez pas compte parce que vous êtes pas dedans, mais. C'est pas vrai. Dis pas que je vais recommencer 60 fois. Ah, en plus, faut aller vite. Il blague. Sinon, tu perds de la vitesse. Et après, ta moto, elle tombe dans les trous. Oh non, mais eux, c'est vraiment du foutage de gueule. Non, commence pas à trembler. Oh, c'était chaud. Bon, troisième tentative, j'y ai réussi. Mais au bout de trois quand même, hein. Ah là 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 là, ça picote, hein. Bonjour, c'est Trevor Clochard. Oh. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Let me know when you need me. Got it? Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Polito Station, whole of Meriwether's gonna be on to us. C'est pas mal quand même le train. Hein. Je fais quoi? J'accélère, désaccélère. Ça c'est pas mal, ça aussi faut que je le fasse en mode... Oh, ça c'est un coup à finir dans les ravins, ça. Ça va changer sur qui là? Ah ouais, il est super loin. Là par contre, je reconnais, c'est loin par contre là. Ne me dis pas qu'il a la nage. Oh non, pas le bateau. Ils ont toujours des aventures bizarres, eux. Mais pas mal le petit truc, hein, le petit Zodiac, hein, qu'il a. Et ça, comme par hasard, tu les as pas, hein. I'm living the life, my friend. This is quite a spot you pick. Enjoy it now, because it's about to start raining. Ça, ça va être la police, ça. Ah, j'ai compris, il va faire derrière le train. Non, c'est pas vrai.
Ouais, d'accord. Toi, tu survis à tout ça. C'est Trevor le clochard, quoi. Ah, ils sont où? D'abord, je vais chercher Trevor. Oh, le Zodiac, il rigole pas. Bon, Clochard, t'es où? Il doit être à la branche. Bah, Clochard, je vais pas faire le tour exprès pour toi, non? En plus, c'est vrai, je dois faire le tour pour lui. Oh là là, mais c'est abusé. Ouais, d'abord je dois récupérer les contenants. Non, mais c'est le monde à l'envers. Oh, le Zodiac de ouf. Ouais, mais c'est assez bizarre comme truc. Attends, c'est où en fait son truc là? Ah, ok, j'ai compris, c'est à l'intérieur. Oh là là. C'est bon ou pas? Je comprends plus rien là, attends. Là, j'ai pas vraiment compris, hein. Donc, désolé, hein. Trevor est mort. Bah, excuse-moi, je t'ai proposé de rentrer dans mon truc, il voulait pas. Ouais, faut savoir ce qu'ils veulent aussi, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Ah, pardon, est-ce que j'ai pas lu? Faut ouvrir les portes à l'explosif. Ok, je comprends mieux maintenant. Parce que j'avais pas lu en fait tout à l'heure, j'étais concentré sur la cinématique. On les va dedans et moi je dois le protéger, c'est ça en fait. Parce qu'il y a deux mecs qui vont arriver, ok, je comprends beaucoup mieux là. Meriwether Recovery Teams arrive. Non mais merde, c'est quoi ces trucs qui veulent jamais péter? Voilà, ah ouais, ils sont vraiment nombreux. Hein. Oh non, pas un hélicoptère, il manquait plus que ça. Je sais pas ce qu'il y a dans la cargaison, mais quelque chose de très important. Bon, l'hélicoptère, j'ai vite fait crasher. C'est quoi? L'autre côté, encore un autre hélico. En fait, il faut abattre toujours le pilote dans ce genre d'avion. Fou de moi, il y a des snipers comme ça ici. Oh là là, mais c'est la guérilla ou là-dedans? J'ai l'impression qu'il y a une bombe nucléaire que je dois y aller récupérer. Oh, t'es craché. Le mec doit aller parachute vite, 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 recharge. Ah bah là je suis un peu dans la merde. Bon allez je recharge. Bon tu te dépêches Michael là, trouver le truc. Parfait. On recharge par précaution. Là je monte direct. Ce jeu est très intelligent, t'as vu? En fait, fallait que j'attende. C'est parti, maintenant on s'en va. Oh non, maintenant je vais avoir une course-poursuite avec des Zodiacs. Ça, par contre, dans le mode libre, je les ai jamais vus, les Zodiacs. Waouh, 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 waouh.
Ah, il blague pas, hein. Ouais, 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 le Zodiac, il est trop sensible. Je suis mort. C'est pas vrai. Ça, c'est la connerie du Zodiac. Je sais pas si vous voyez, mais il faut surtout pas se faire rouler. Bon, vous allez me dire, c'est normal, les moteurs ne roulent pas sur la terre ferme. Mais je me suis fait quand même avoir. Attends, vas-y, on peut progresser un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, je préfère être derrière en train de tout mitrailler là. En fait, ce qui est chiant, c'est les petites vagues. En fait, il y a des secousses. Si vous avez tendance à aller super vite, bah en fait, le bateau, le Zodiac plutôt, il a aidé à pas dire. Oh bah tiens, là c'est encore foutu. Oh, oh, oh. En plus, ils ont fait exprès de mettre des petites pierres exprès pour déstabiliser. Oh là là, les malins. Oh là là, faire du Zodiac sur ce genre de terrain. Pourquoi pas du rafting aussi? Comme ça, on se réunit tous et plus on est fou, plus ça va être bien. Oh là là. Wow, 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 wow. Là, je ralentis vraiment, je fais pas mon idiot. Ça y est, là, je peux commencer à me permettre d'aller vite. À partir de ce moment-là, j'ai plus l'inquiétude de pouvoir me faire cogner par les rochers. Il y a encore des gardes, j'ai l'impression. Non, j'ai vu des gardes. Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identity. You know, there was nothing for Brad's defense. Ron organized some transport for us. Alors, on a récupéré la mallette. On va vite rejoindre les transports. Mais moi, j'ai qui, moi? Je pensais que j'avais Trevor. Quelle voiture devais-je choisir? Oh, ah, il m'impose. Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Hey, before you go, show me the loot. C'est quoi ça, une poupée? Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this. And you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, nah, your job fucked things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs. The big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey. You and me together again, with Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. Nah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying guy. But hey,
It's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The